Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de créer votre cahier de mémorisation qui vous servira dans toutes les matières pour noter ce que vous devez mémoriser. Alors, pour cela, il faut prendre Pages. Le traitement de texte d'iPad et créer un document. Donc vous créez le document et vous allez ensuite descendre pour voir les différents modèles proposés. Vous avez les livres portraits et les livres paysages. Je vous conseille de prendre le livre paysage et de choisir le visuel qui vous plaît. Et là, vous allez voir qu'il y a différentes photos. Vous pouvez changer les photos, marquer votre nom en double-cliquant dessus. Et modifier tout ce que vous avez envie de modifier au fur et à mesure. En changeant les photos, par exemple, en cliquant sur le plus et en allant dans vos photos. Là, je vais vous proposer un cahier de mémorisation que j'avais fait. Vous voyez, avec en première page le titre, le cahier de mémorisation et des images avec qui représentent le commerce et toutes les matières que vous pouvez avoir. Donc, vous avez vu, c'est une photo qui se bouge. En deuxième page, eh bien, j'ai mis quelques formules et j'ai marqué mathématiques. En troisième page, j'ai parlé de la PSE. En quatrième page, l'art appliqué. Et ensuite, l'enseignement professionnel. Et vous pouvez marquer au fur et à mesure tout ce que vous apprenez dans chaque matière. Maintenant, c'est à vous de jouer.